Bonjour, Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo comment mettre en œuvre deux indicateurs de performance liés à la résolution de vos tickets au niveau de votre service desk. Quelques paramétrages préalables sont donc nécessaires. Tout d'abord, au niveau de votre cycle de vie des tickets, dans mon exemple, j'ai configuré un état résolu personnalisé, préalable à un état de clôture qui est utilisé par l'état système complete, sachant que j'ai une clôture automatique sous un délai de 48 heures ouvrées qui passe un ticket résolu à l'état complete. Vous n'êtes pas obligé de créer cet état résolu si ce n'est pas votre cas actuellement. Vous pouvez très bien baser tout le reste de la configuration sur l'état système complete directement. En général, ce type d'indicateur est souvent demandé par des directeurs informatiques ou des clients qui sont relativement sensibles à la mise en œuvre des bonnes pratiques ITIL et auquel cas l'état résolu est un prérequis. Deuxième paramétrage, toujours dans le module Service Desk, au niveau des queues, vous allez modéliser l'organisation de votre support. Alors ici, dans notre exemple, nous avons fait simple. Un premier niveau, support niveau 1, utilisé pour le support utilisateur courant et en volume, et le support niveau 2 pour le traitement des incidents et des demandes un peu plus complexes. Le paramétrage de ces deux indicateurs consiste tout d'abord à créer deux champs personnalisés dans le menu Application-Wide Features, User-Defined Fields, Menu Ticket. Vous avez deux champs personnalisés, Résolution Premier Contact, Résolution Premier Niveau. Les deux champs personnalisés sont basés sur un format de type liste à deux valeurs, oui et non. Quelle différence entre résolution premier niveau et résolution premier contact? La résolution premier contact concerne le cas de figure où je suis un technicien, je prends un ticket qui m'a été affecté par le dispatcher ou un ticket directement à l'état new et je prends en charge techniquement le ticket à la première intervention et je fais la résolution du ticket sur ma première intervention. La résolution premier niveau concerne tous les tickets qui auront été résolus par l'équipe support niveau 1, moi-même ou toute autre personne dans l'équipe, sans avoir escaladé le ticket une fois à l'équipe niveau 2 ou toute autre équipe d'escalade. Quand vous avez configuré vos champs personnalisés, il faut absolument mettre à jour dans le menu Service Desk vos tickets de catégorie pour faire apparaître les deux champs personnalisés. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet Détails, Sections and Fields. Vos champs personnalisés seront dans la partie Hidden Fields et il vous suffira de les faire remonter par drag and drop dans la zone qui vous intéresse. En ce qui me concerne, je les ai positionnés les deux ici, dans la zone Informations clés. Autre élément de configuration, cette fois, il s'agit d'aller positionner nos champs personnalisés automatiquement par workflow. Nous avons donc configuré trois workflows. Premier cas de figure, les tickets résolus en premier niveau. Ce workflow est basé sur des événements liés à l'édition du ticket, l'ajout de notes ou préférablement l'ajout d'entrée de temps. Les conditions d'entrée, je dois être dans ma queue support niveau 1. Je dois changer l'état de mon ticket pour le passer à l'état résolu, donc l'opérateur change to. Mon champ personnalisé résolution premier niveau ne doit pas être ni oui ni non, il doit être à sa valeur par défaut
un vide. Et je vais aller positionner mon champ personnalisé en mise à jour à la valeur oui. Avec ce workflow, il est nécessaire de configurer un workflow pour la gestion de vos escalades. En effet, les événements, l'édition du ticket, l'entrée de temps ou l'ajout d'une note, encore une fois, préalablement l'entrée de temps, les conditions d'entrée, je dois faire une escalade vers ma queue support niveau 2, encore une fois, l'opérateur est change to. Dans mon cas de figure, je fais une escalade sur l'équipe niveau 2 sans forcément affecter une ressource. Donc je peux vider le champ de la ressource en l'affectant à la valeur non entre crochets. Et dans le cas où je réalise une escalade de mon ticket, je vais aller positionner mon champ personnalisé résolution premier niveau à non. Et j'en profite pour changer l'état de mon ticket pour le passer à escalade. Troisième workflow, pour gérer le cas des tickets résolus en premier contact. Alors j'ai mis préférablement l'entrée de temps, ça pourrait être, comme je l'avais mis tout à l'heure, le changement d'état directement, ou la note, mais comme on a une culture de la saisie de temps, on va le réaliser avec l'entrée de temps donc. Dans les conditions d'entrée, la queue doit être égale à niveau 1. Mon état doit changer de l'état de départ new à l'état résolu. Si vous avez un dispatcher qui qualifie les tickets et les réaffecte, vous pouvez adapter ce workflow et choisir l'état affecté ou dispatché selon ce que vous avez créé dans votre cycle de vie. Dans ce cas de figure, je vais à ce moment-là positionner le champ personnalisé résolution premier contact à l'état oui. Je vous donne un exemple sur mon dernier ticket. C'est un ticket, si je reprends la traçabilité, que j'ai résolu en premier contact. Donc mon workflow ticket résolu en premier contact s'est exécuté pour me positionner cette valeur ici à oui. Et comme j'étais en premier contact, je suis forcément en premier niveau et j'ai mon deuxième workflow qui lui est allé positionner cette valeur à oui. Et mon entrée de temps est ici. Dernier paramétrage, vous configurez deux widgets. Un premier widget ici concernant les tickets résolus en premier niveau ou par niveau de résolution et les tickets résolus en premier contact. Pour cela, j'utilise un widget basé sur l'entité ticket de type chart en sélectionnant le type de visualisation avec des valeurs basées à 100%. Je sélectionne le nombre de tickets. Je vais organiser mon graphique en fonction du mois de la date de création des tickets. Et je vais utiliser en double tri mon champ personnalisé résolution premier niveau. Pour faire simple et ne pas être pollué avec tout un historique de tickets sur lequel je n'aurais pas appliqué les workflows, je vais filtrer tous les tickets pour lesquels le champ est vide. Vous voyez ici que j'ai 9 tickets. 3 n'ont pas été traités résolus en premier niveau
6 ont été résolus en premier niveau. Donc vous vous retrouvez avec un ratio que vous calculez de tête. Il est effectivement dommage que nous ne puissions pas avoir une visualisation des pourcentages directement sur le graphique, mais vous êtes sur un ratio 1 tiers, 2 tiers. Ce même widget a été adapté ici par copie dans le suivant, simplement en changeant le secondary grouping en utilisant l'indicateur l'UDF résolution premier contact et en filtrant encore une fois l'historique des tickets pour lequel le champ personnalisé est vide. Si je rentre dans mes tickets, je retrouve, si je vais afficher mon champ personnalisé complémentaire, mes deux tickets ont été résolus en premier contact, donc a fortiori en premier niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage intéressant et important sur la mise en œuvre d'indicateurs de performance en utilisant les mécanismes de workflow et de champ personnalisé natif d'Autotask. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.